Salut les amis, c'est Ichigo Pro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft qui va être un tutoriel de comment obtenir les premiers trophées facilement. Donc je dirais que c'est pas très très compliqué. En 10 minutes je pense que vous pourrez avoir quand même la moitié des trophées. Donc on commence tout de suite hein. Voilà, donc on va faire jouer en ligne. Donc on va faire didacticiel. Voilà, donc vous allez faire tout ce qu'il vous demande. Hein. Vous allez récupérer le bois. Voilà, bon. Fais ce qu'il nous dit de faire, hein, comme ça au moins. On va détruire les arbres, comme ils disent de faire. Ouais, donc vous avez déjà un trophée. Voilà. Encore un autre. Donc voilà, on continue. Là, ils vont pas. Voilà. Encore un trophée. Donc là. Voilà. Bon, ils sont chiants avec leur didacticiel. Voilà. On va prendre ça. Donc on continue, on monte, on monte. Bon là vous prenez les objets, ça peut servir. Là vous prenez les émeraudes, voilà. Ça peut servir aussi si vous faites votre monte en didacticiel. On va le charger contre deux émeraudes. Ils ont casse-couille. Allez. Voilà. Donc on a 4 émeraudes. On va continuer. On va prendre l'ensemble de la poudre.
Donc ensuite, vous allez aller là. Alors là, c'est pas là. Je dois trouver. Voilà, là, vous prenez le poisson. Je sais pas où j'ai mis l'établi. Donc vous retournez, vous prenez votre établi. Il est là. Voilà. L'établi, vous mettez là. Vous faites ça, vous êtes dans la nourriture. Non, c'est pas là, je me suis trompé. Un four, un four, un four. Ce que vous allez faire, vous allez. Bon, on va prendre. Vous allez prendre de la pierre là où vous en servez pas. On va faire ça. Qu'il en faut un peu plus. On va faire un cas où. Hop là. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre four. Voilà, donc là vous avez un trophée. Vous posez votre four. Vous allez dedans. Là. Vous mettez du bois en tant que combustible. Je sais pas si ça marche avec ce bois-là. Si. Et vous mettez le poisson. Voilà, donc vous attendez. Voilà. Donc après on s'en fout. Hop. Donc là vous avez un poisson. Donc après, vous allez prendre trop tard. Vous allez aller dans l'établi. Bon, on va aller chercher du bois. Faites du bois comme ça en fait. Prenez tout bas que vous voyez. Voilà. Pareil, vous prenez le bois. Là, vous prenez le bois. Essayez de prendre à peu près tout le bois que vous voyez. Là, vous prenez le bois aussi.
Voilà. Une fois que vous avez le bois dans établi, j'ai pas d'épée donc. Elle va m'énerver celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Ok. On va quitter. On va faire jouer. Vous pouvez jouer en ligne hein, aussi. Enfin. Moi, c'est que je suis pas connecté en ce moment, mais bon. Voilà, vous allez dans le didacticiel. Vous mettez. Hop là. Mettez en pacifique. Voilà. Donc, on en revient à l'unité. Vous allez là. Vous faites quelques bâtons. Hop. Une pioche, une pelle. Voilà. Il y a encore besoin de bâtons. Ah, ça sera mieux comme ça. Ah non, vous mentez. Voilà. Donc ensuite, je me souviens plus très bien. D'accord. Alors, pour ça, vous allez faire ça. Prendre de la pierre. Voilà. Une fois que vous avez votre pierre, vous allez là. Une
faites une pioche en pierre. Ensuite, vous allez récupérer le blé. Vous avez le blé. Vous retournez à votre table de craft. Vous allez dans nourriture et vous faites du pain. Voilà. Ensuite, donc ok, donc là, on va faire ce trophée-là. Et celui-là. Ainsi que le cuir. Donc, on va prendre l'épée en bois. Voilà. Vous allez prendre votre épée. Voilà, là vous avez eu du cuir, tuez les vaches. Ensuite, on va plutôt prendre la meilleure épée. Voilà. Ensuite, distiller une potion, donc on va aller là. Peu importe la potion. Hein. On s'en fout. Voilà. Donc on va prendre ça, ça, ça. On va plutôt aller dans l'inventaire d'abord. On va prendre le seau d'eau, ça. Ça. Et ça. Voilà. Donc là vous mettez vos trucs d'eau. Voilà. Et là vous mettez un ingrédient. Donc vous attendez que ça se passe. Voilà. Vous prenez la potion, puis voilà. Ensuite, ah oui, voilà.
Donc il va vous falloir de la redstone. On se retrouve une fois que je l'aurai trouvé. Voilà, donc une fois que vous êtes rendu là, vous allez descendre. Allez prendre la redstone. Vous allez retourner là. Et vous allez faire le distributeur. Non, c'est pas ça. Si je retrouve où il se trouve. Ici. Là. Ok, donc j'ai pas cette place pour de la redstone. J'avais même pas vu, j'avais pas pris la redstone. Voilà. Alors ensuite, alors par contre, si vous pénétrez dans le Nether, je sais pas si ça vous donne le trophée, il faut le construire. Non. Alors ce que vous allez faire, alors ce que vous devez faire, c'est que vous allez tout simplement chercher du diamant, et puis en cherchant le diamant, ça vous donnera du diamant, enfin le trophée de diamant. Et vous allez juste faire une pioche en diamant pour pouvoir détruire l'obsidienne et la remettre et l'allumer avec un briquet, ça vous donnera le trophée. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. Lingot de fer, vous avez juste à trouver du minerai de fer, c'est pas compliqué. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker, commenter. Et moi je te dis bon game et à plus. My name is